Bonjour, vivement les beaux jours pour aller flâner aux quatre coins de nos belles provinces. Pour bien se faire conseiller, on peut pousser la porte d'une maison du tourisme. Ce ne sont pas moins de 42 maisons du tourisme qui vous attendent partout en Wallonie. Elles font la promotion de l'ensemble des atouts touristiques de leur territoire et sont ouvertes au public 10 heures par jour et 363 jours par an. Jusqu'il y a une dizaine d'années, seuls les offices de tourisme et les syndicats d'initiative quadrillaient le pays. Mais le Commissariat général au tourisme a voulu compléter l'offre avec ses antennes regroupant plusieurs communes, chaque fois autour d'un pays touristique. On file à la maison du tourisme de Marchand-Famenne, où l'on connaît bien les attentes des visiteurs. Le touriste qui arrive chez nous a une demande bien précise. Donc soit c'est une demande sur les choses à visiter, soit les restaurants, les promenades pédestres. Chaque maison du tourisme édite une brochure annuelle et propose un site internet quadrilingue. En fonction des atouts de son territoire, la maison du tourisme proposera toute une série de produits plus ciblés. Promenade à thème, visite guidée ou exposition temporaire. Un autre rôle d'une maison du tourisme est aussi de fédérer les opérateurs touristiques du terrain, donc que ce soit l'ORECA, les autres associations, musées, attractions touristiques, et de centraliser l'information, notamment dans un agenda des manifestations qui est remis à jour tous les jours. Pour nos loisirs en Wallonie, les maisons du tourisme nous aideront à faire le meilleur choix possible, et ça, c'est un tout bon plan.